Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Starbound V5 Please the Giraffe, chers amis. Donc on va mettre un petit drapeau ici, même un copain à ce drapeau, comme ça il sera pas tout seul. On va mettre un petit trou ici aussi. Dans ce petit trou on va y mettre non pas de la lave, si de la lave, tiens, pour la forme. Voilà. Et on va aller faire le tour de cette planète encore une fois. Comme d'habitude, chers amis, on est toujours à la recherche de blueprint, hein, je précise. Toujours pas plus d'informations sur les moyens ou d'autres de les farmer, malheureusement. Hein. C'est comme ça, jusque-là, on ne peut pas faire mieux. Dégagez! Alors, il semblerait qu'en fait, ils ne me voient pas à travers la matière. Mais ils peuvent passer à travers cette matière. Voilà le pourquoi du comment. Cet arbre est en train de mourir. Si c'est la représentation de l'amadou... Cette arme est véritablement en train de mourir. Oula, j'ai vu un coffre dans le fond, je crois. Ah non, c'était pas un coffre, c'était une saloperie. Oh, putain. Je déteste. Toi et toute ta famille. Putain. Si vous savez à combien je l'ai... Ah, mais... Non. Allez tous vous faire foutre. Je vous hais. Je vous hais. Je vais tous vous cramer. Je vais tous vous brûler. Vous brûlerez tous. Je suis le roi fou. Vous brûlez-les tous. Allez bien, j'attends. Ah oui, c'est vrai, il y a ça, il y a ce fameux clic droit aussi. Hop les. D'accord, il y a un temps. Ok. Oh, il a lagué juste avant, vous avez vu? Hop, et on l'a eu. Il y a l'espèce de gaz. C'est pas plus mal, je vais... Ah, en voilà une, tiens, non. Tiens, vas-y. Gaze-toi la bouche. Voilà. Ah, il y a ton petit frère avec toi. Y'a ton petit frère avec toi! Ah, mais merde, saloperie! Voilà, meurs! Le gaz, c'est pas une si mauvaise idée en fait. Vu qu'il me court sans cesse dessus. Je t'ai. Sa maman, la vilaine chose. Regardez la taille du trou. Pour peu qu'il y en ait une deux... Alors normalement, il n'est pas possible que ça remonte, que ça revienne au même endroit. Mais dans ce jeu, je crois que quand ça veut dire, quand c'est marqué pas possible... Il croit que ça veut dire faut le faire vite. Nom de Dieu, la taille de la météorite. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je crois que j'ai entendu un autre boom en plus. Non? Pas vous? Pas vous, pas vous? Pas vous, pas vous? On n'avance pas avec ce. Voilà. Par contre, maintenant que j'ai pris deux steam packs, enfin deux trucs, il va m'envoyer une météorite sur la poire. Oh, c'est la catastrophe. Hop. C'est quoi? Un lance-roquette avec des roquettes auto-guidées. Bah, pourquoi pas, écoute. Hein. Ça m'intéresse pas plus que ça pour l'instant. Bon, je peux pas faire face à un lance. À, comment, un astéroïde de cette taille avec un lance-roquette. Hein, c'est pas possible. Hop! Oh là 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 là. Ah, il a survécu le sac. Voilà, merci de bien pouvoir mourir. Si possible, en souffrance. Hop, merci. Trop aimable. Oh là 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 là. Le mal que j'ai à atterrir correctement. Mais bien sûr,
des chiottes. Manquerait plus que les météorites et tombent sur les chiottes. Ah, je peux... Ah, ça j'aime. On va remplacer ça. Hop. On va le mettre là, le temps 2. Je peux bloquer les coups. Non, c'est pas la bonne arme. Oh. J'aime beaucoup. Merci pour la régène. J'aurais préféré du boost vitesse, mais... Merci pour la régène quand même. Un coffre. Une pauvre... non, une short sword, c'est pas une dague. D'accord. Oh, c'est embêtant comme c'est pas possible ce temps. Ce temps est une véritable saloperie. Si encore en fait ça fonctionnait dans le sens, vous savez, que par exemple en fait je puisse me déplacer plus vite dans un sens que dans l'autre. Ça je comprendrais. Mais non. Non non, ça ne marche pas comme ça, ouais. Voyez-vous. Oh non, de la lave en plus. T'es pas sérieux. Eh bah putain. Eh, première flaque, première chute, hein. Faudrait le water gun dans cette zone. Oh, vous avez vu? Comme du vrai, si vous le faites au sol, ça se redirige. Ça, c'est pas magique. Tiens. Hop, problème résolu. Boom. Boom, bitch, get out the fucking way. Non, pas vous. Oh, je vous aime tellement pas. Mais je vous aime... Oh. What? Bon, lui, il est mort. Cruellement, j'en conviens. Ok. Bon, il a laissé de l'alcool. Je crois qu'on va en avoir besoin, vu la zone. Oh, mais merde! Repluie de météorites! T'es quand même pas sérieux? On sort à peine de la... Oh, mais merde! Je veux pas... Je veux pas mourir bêtement. Ah! Elles m'ont frôlé le coin de la gueule. Elles me frôlent le coin de la bouche. Ah! Mais c'est pas possible. Cette planète veut ma mort. C'est certain, maintenant je le sais. Je n'ai plus qu'à... Ah mais non! Non, pas le retour. Le retour du vent à la con. Ok. Ok, ok, cette planète ne veut pas de moi. Clairement. Là, je pense que personne peut le nier, elle ne veut tout simplement pas de moi. Ce qui est un véritable... Ah non, c'est un monstre, c'est encore une... Je vais te sauver, mon ami. Oula. Il est possible aussi que j'ai failli te tuer aussi. Bonjour, tu vends des choses intéressantes en pleine tempête de sable, je sais pas. Oh, joli. Très joli. Non, mais non. Mais non, mais non, mais non. Tu vas pas tomber. Mais... Tu vas pas tomber. Tu vas pas tomber, tu vas... Ah. What? Mais qu'est-ce que je bloque? Je bloque des choses? Je bloque les grains de sable? Hop, je bloquais des grains de sable. Je bloque les grains de sable qui m'attaquent. V'là autre chose. Hop. Non, non, je veux fuir. Je veux fuir. Non, 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 non. Non. Meurs. Meurs. Meurs, je te dis. Meurs, je sais que t'es le caillou qui était là. Pourquoi je peux pas te taper dessus? Ah, non, mais cette planète veut ma mort. Mais non, pas vous, pas toi, pas cette... Non, c'est quoi cette planète? C'est quoi cette planète de fou? Elle a tout ce que je déteste, les météorites, le vent, les petits monstres à la con, la lave, les grosses météorites... Qu'est-ce qu'il manquerait plus que ça? Il manquerait plus que... Il manquerait plus qu'elle ait les pluies acides.
si elle a les plus acides, je suis désolé, je... Je décède, tout simplement. Mon personnage va décéder et perdre une grosse quantité de sous une fois... Est-ce que je prends le risque de monter là-dessus? Pour rien? Ou est-ce que je creuse là? Et techniquement, tout ça va se casser la goule. Ah non, je veux même pas... Eh ben si, voilà. Voilà, la dernière chose qui manquait sur cette planète. Des floranes. Des floranes. Manquait plus que. C'est bon, cette planète. Et mon anti... Mon anti-planète, on va dire. Ça y est. Ça y est, je peux courir. Je peux courir et me bouffer des monstres. Maintenant, reste à savoir s'il va pleuvoir des météorites à nouveau. Non. Et de toute façon, s'il en pleut... Je ne serai pas là pour me les bouffer. Bon, on va trouver de la terre, ça va être plus vite. Hop, voilà. Crac. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Oh putain. J'avais dit pas de... Oh non, non, pas vous. Non, je ne veux pas te parler. Je ne veux même pas que tu viennes m'embêter. Je veux fuir ce monde. Je veux m'y enterrer tellement profondément que personne ne me trouvera. Voilà, c'est ça que je veux faire. Ah. Non, pas vous. Pas vous. Pas les floranes, non. Non, mais ils sont partout. Vous, ça va encore. Vous me dérangez pas trop. Hop. Hop, play. Oh putain. Ils sont nombreux en plus. Vous pouvez pas venir à deux dans la prison. Aïe. Et merde. Hop. Quelques pixels. De la santé? Tant pis. Tant pis. Oh là là, cette planète qui ne veut absolument pas... Oh. Ok, voulez-vous la faire comme ça? Aïe. Ah oui, je me rappelle cette fichue porte. Hop, voilà. Et on y trouve... Un machine pistole moisi et de la bouffe. Génial. Merci d'être venu. La suite. Cette planète ne veut pas que je m'y intéresse. Elle veut rester seule. C'est une planète solitaire. Dans ce cas, je pense que je vais cramer les bestioles qui sont pas censées cramer. Voilà. Hop, c'est pas comme ça que je voulais le faire, mais au final je l'ai bourré. Ça va être dur à casser tout ça, oui, bah oui, forcément. Et si je passe par là, ça a l'air plus simple en dessous. J'ai rien dit, ça a pas l'air forcément beaucoup plus simple. Oui, on a trouvé du cuivre, ça fait tellement longtemps qu'on en a pas eu besoin. Un coffre, il y a surtout un coffre ici. Et rien d'intéressant dedans, génial. Non, dégage. Retourne à ta place, s'il te plaît. Retourne à... Non. En plus, il crache partout, c'est dégueulasse. Ok. Encore des machins rouges sur la gauche, pardon, sur la droite. Et non, c'est bien sur la gauche. Ok. Bon. C'est officiel, cette planète ne veut pas de moi. Entre les... il y a les pics aussi, il y a les pics. Il y a les pics aussi qui m'aiment pas. Et que j'aime pas non plus. Aïe. Alors, un petit coffre. Deux diamants. Bon, ça fait du bien par où ça passe. Alors et tout. Aïe. Et les machins vénéneux, mais ça encore ça va. Ça encore, ça va. Moi, je charge pour le prochain qui passe, chers amis.
Je ne m'embête plus, hein. Ça y est, c'est... C'est quoi ce machin? Je veux même pas savoir. Je veux pas savoir ce que c'est. Ça a l'air d'être une abomination de plus. Non. Oh la gueule, il a réussi à me faire des dégâts quand même. Hein. Il a quand même réussi à me faire des dégâts. Bon, on y va. Hop. Oh, de l'aigis. Bon, bah... Oh, des diamants. Ah, des chauves-souris. Non, cassez-vous. C'est vicieux. Elles étaient à 3, mais elles se sont échappées à 3 vitesses différentes. Du coup, en fait, elles m'ont quand même attaqué 3 fois. C'est vicieux. C'est vicieux. 12 diamants. 17 diamants. Voilà, ça fait du bien par où ça passe. De la santé. Dommage. J'ai espéré. Je l'avoue, je l'ai espéré. Bon. Suivant. Quel est le prochain souci sur lequel je vais tomber? Quel est le prochain problème sur lequel je vais tomber? Quelle est la prochaine chose qui va me tuer? Parce qu'il faut pas se voiler la face, hein, je vais sûrement mourir dans cet épisode. Si j'y survis, c'est que je suis un véritable survivant. Un true survivor! Je serai l'ultimate survivant. Eh merde, j'ai parlé trop vite. J'ai parlé trop vite. Dégage. Oh putain, mais... T'es le seul monstre qui est pas projeté du jeu! Sale bête. Non, casse-toi. Casse-toi. Putain, c'est la fuite. Non, et puis je me téléporte sur un pic. Non. Je refuse de mourir bêtement. Je m'y oppose. Oui, je sais par où il faut passer, vous me l'avez dit, chers amis. Juste là. Parce que j'avais creusé dedans la dernière fois. Ça pour un diamant. Mon univers pour un diamant. Oui, je sais, c'est pas ça la version originale. Mais alors? Et alors? Là, je peux creuser un trou sans trop que ça fasse de prenne de temps. Ah, tiens, il y a ces petites bestioles là aussi sous terre carrément maintenant. Ça y est, en fait. On cherche plus maintenant la logique. De l'argent avec du diamant, why not? Je prends. Tellement de diamants de toute façon maintenant. Je dois pas être loin des 500 diamants dans mon coffre. Hein. Bon, si je voulais, je me ferais du fric. Hein. Si je voulais. Puis si j'avais chopé tous les diamants que j'avais vus aussi, je serais riche. Déjà que je suis pas mal riche. Hein. Qu'est-ce que t'es que toi? D'accord, ok, dégage. Dégage. J'aimerais redescendre en fait, moi, chers amis. Je suis... Enfin, le jeu, j'aimerais redescendre. Merci. Oh bah non, pas déjà, mais y'a rien eu! Non! C'est la planète de la loose! C'est la planète de la souffrance! Oh! Oh! La planète de la souffrance! J'arrive même pas à descendre! Non! Casse-toi! 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 Raté! Hop, dommage, j'étais fier de ce que j'avais réussi à faire. Vous avez pas un coffre à me filer avec genre 6 blueprints dedans normalement quand je fais ce genre de planète? Allez! Faites pas vos radins! J'ai marché dedans! Faites pas vos radins! Vous avez bien un coffre à me filer. Ah mais. Merde! Non, faut remonter! Faut pas tenter le diable, chers amis, on a 16 000 crédits sur nous. Faut pas tenter le diable. 19 000, pardon. Eh bien écoutez, on va aller voir combien qu'on a de diamants. Je sais que j'en ai dans les deux coffres en plus, comme un con. J'en ai 31 ici. Ah si, j'en avais, regardez, j'en ai deux. J'avais pas fait gaffe. Ah si, j'ai pas loin de... J'ai plus de 500 diamants. Voilà. On va prendre ça, la moitié. On va aller les mettre... Hop. Dans la machine, et on va aller rigoler un coup. Hop. Comment je fais? Je fais comme ça. Hop. Tiens, vas-y, raffine. Ensuite, je vais en mettre la moitié ici. Et l'autre moitié ici. Raffine, raffine, raffine. Donc ça, ça raffine. Là, ça raffine pas. Là, ça raffine. Et là, ça raffine. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a? Donut cross the mini knock. D'accord, ok, si tu le dis.
Ok. Eh ben écoutez les amis, du coup on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom, ne pas trop le lien derrière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens, la planète de la souffrance. Putain, j'en ai chié.